Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon œuf, mon tchuf. Désolé, j'ai le nez qui coule. Ah ouh, il fait froid encore, il fait tous les jours froid. Hein. Je suis pressé qu'il fasse un petit peu chaud. Je te jure qu'hier il a plu. Oui, il a plu. Il a neigé mon œuf. Mais tu sais, c'est des neigeons. Les neigeons qui tombaient du ciel là, bah, ils sont pas restés longtemps. Enfin, ils restaient pas sur le sol. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, les arbres, ils sont tout blancs. C'est de la gelée royale. Tu vois, en fait, dès que je parle, j'ai l'impression que ça n'a jamais aucun sens. Que quand je parle d'hypertrophie, j'arrive. Mais sinon, dans les autres sujets de la vie quotidienne, je n'arrive pas à établir une connexion cerveau-muscle. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je suis trop drôle. Bon, j'espère que t'as la patate. Aujourd'hui, c'est séance spec. Donc, c'est plutôt cool. Moi, je kiffe les séances spec. C'est vraiment ma séance préférée. Chest press allongé. Youhou, incroyable. On danse la tête, on bouge la tête comme ça. Sans jambes, c'est fait hier. Blabla, flou, fait terminado, pipo. On attend une semaine. Après, il y a la course aussi. C'est chiant la course, mais ça dure moins de temps, tu vois. Je cours en général 35-40 minutes. Donc, c'est tranquille. C'est pas du hack squat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc mon œuf, la chest press, après écarté, incliné à la poulie. Superbe exercice pour l'autre pec. De toute façon, c'est exactement la même séance que la semaine dernière si tu me suis. Enfin, si t'as suivi ma séance de la semaine dernière et tu t'es pas endormi devant. Et ben voilà. D'ailleurs, on m'a dit, ah oui, moi je regarde tes vidéos, mon œuf, je sais pas si tu me reconnaîtras, mais dans la vidéo d'hier, j'ai fait, vous faites quoi quand vous regardez mes vidéos? Il y a quelqu'un qui m'a répondu, il m'a dit, je mange des Ferrero Rocher à 21h40. Donc c'est-à-dire qu'il y a 21h40 dans son lit comme ça. Il est comme ça, son tel dans la main, il a son paquet, sa main dans son paquet de Ferrero, hein, pas dans son paquet, t'as compris. Dans son paquet de Ferrero Rocher, il bouffe des Ferrero, mais tu sais que les Ferrero Rocher de No Fake. Mais c'est vraiment, je crois, qu'un de mes chocolats les préférés du monde, je te jure. C'est tellement bon ce truc de malade mental. Genre le Père Noël, moi, il m'en a donné en décembre. Et j'ai tout défoncé. Mais du coup, tu fais pas attention à ta diète. Oui, c'est vrai, là, sur le coup, j'ai pas fait... En fait... Tu vois, je préfère tout défoncer d'un coup que tout défoncer petit à petit. En fait, c'est trop dur, tu sais, t'en manges un. Et après, mon cerveau, il se dit, oh, le coup, vas-y, reprends-en, s'il te plaît, frère. Il dit comme ça, il me parle vraiment comme ça, mon cerveau. Et du coup, bah, j'en prends un autre. Et après, il me redit tout le temps la même chose et je finis tout, en fait. Mais c'est trop bon, en fait. Tiens, tu m'as donné envie de manger de frérot, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, mon œuf. Mes œufs. Mon œuf au caramel. Le caramel. Bon, du coup, il n'y a pas eu de question hier. Enfin, j'ai répondu une question en commentaire. C'est en rapport avec la surcharge progressive. Mais sinon, mon œuf, il n'y a plus. En fait, c'est juste les séances jambes, ça vous intéresse pas. J'ai mis un titre putaclic en disant je m'embrouille avec un mec, ça tourne mal, OMG, le coup, ça tourne super mal. C'était une caméra cachée. Je sais pas si tu t'es fait avoir. Je suis jeu d'acteur en tracteur, mon stuff. Et donc voilà, les 100 jambes, vous aimez pas ça alors que je fais du hack squat. Ouais. Ouais, c'est juste le seul exercice en fait qui est bien. Parce que le leg curl, le debout, c'est pourri. Leg extension, en vrai, c'est bien. Hein. Je sais pas pourquoi, mon œuf. Hein. Pourquoi t'aimes pas ça, tu vois. Bref, là, vendredi, c'est la vraie séance. Donc, oh, je suis content. Hein. Je suis content. Ouhou, on fait tourner les serviettes comme ça. On se met sur la table et on tourne les serviettes. Et on saute en disant séance pec. Séance pec en tournant les serviettes. Tu vois, en fait, là, le genre de truc, ça sort mon cerveau comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mon œuf. Est-ce que je suis bizarre? Oui, bah oui, je le suis, tu vois, j'assume. J'assume que je suis un peu chelou, mon œuf. Bref, on se retrouve directement pour le premier exercice. On va s'échauffer pendant 45 minutes. Dis-toi qu'il fait froid, là. Donc, moi, en fait, ce que je te conseille, c'est quand tu vas à la salle, c'est faire un petit peu de cardio. Genre, tu fais un peu de marche avant, comme ça, tu augmentes un petit peu ta température corporelle. Ou si t'as un gros flemmard, parce que je sais que tu le feras pas et que t'es un peu comme moi au fond de toi, fais pas genre, tu marches avant tes séances, ou tu fais du rameur, fais pas genre, bah tu gardes ton pull avec toi, et comme ça t'es instant chaud. Tu vois, en Thaïlande, vu qu'il fait 35 degrés quand j'y étais, et bah j'étais tout le temps en t-shirt parce que ton corps il est toujours chaud, tu vois ce que je veux dire. T'as pas besoin de faire du cardio pour préchauffer, on va dire, pour faire des exercices de pré-fatigue, avoir de meilleures sensations et un meilleur ressenti, une meilleure connexion cerveau. Tu vois, ça m'a matrixé les réseaux là, à force d'écouter que du caca là. Pour ça, moi, je suis tout le temps dans le côté américain. Dis-toi que les réseaux, bah, vu, tu vois TikTok, un truc tout bête. Tu sais, je le télécharge, je le désinstalle. Je sais pas si tu as vu ma vidéo le 1er janvier. Regarde là si tu veux. Je te dis un peu ce que je fais tous les jours. Et TikTok, je le télécharge en vrai 30 minutes par jour, grand max, après je désinstalle. Donc, je poste ma vidéo tous les jours à 17h, aux alentours de 17h, s'il n'y a pas de cacahuètes. En général, il y a toujours des cacahuètes, donc c'est 17h10 ou quoi. Et donc, je télécharge, j'attends 15-20 minutes. Je vais prendre ma douche pendant ces 15-20 minutes. Enfin, je te file pas sous ma douche. Attention toi, reste là. 15-20 minutes. Et je sors de ma douche. Je réponds à 3 commentaires. Bon, en général, je réponds pas parce que c'est des commentaires nuls. Ah, mais du coup, tu dis n'importe quoi. Voilà, des trucs comme ça.
donc on s'en fout, c'est bien, ça fait des commentaires, après tu vois, ça fait des débats. C'est pour ça on me dit, mais pourquoi Lucoum tu bloques pas les gens, les haters et tout? Mais mon œuf, jamais de la vie je les bloquerai, les haters. T'es fou ou quoi? C'est grâce à eux que j'en suis là, même si j'ai rien fait encore dans ma vie, tu vois. Mais c'est grâce à eux que tu vois, y a des, mes vidéos montent un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que s'il n'y a pas de haters, bah il y a pas d'engagement. Et ouais, mon œuf. Et si je bloque tous les haters, bah après il y aura que des commentaires. Oh, c'était trop beau, Lucoum, t'es trop beau. Ça, je sais que je suis beau, tu vois, tu vas pas me le dire. T'es trop sexy, t'es trop intelligent. Je sais ça, mon œuf. Alors que s'il y a des haters, un mec qui dit t'es pas beau et t'es pas sexy, bah il y a un autre, il y a quelqu'un qui va me défendre et va dire non, il est beau, il est sexy. Et automatiquement, bah s'il y a des gens qui me défendent, bah ça fait plus de commentaires et tout. Ah oh, mais Lucoum, tu penses qu'au vu. Oui. Non, je déconne. Non, non, mais c'est bien, faut les laisser. Moi, j'ai jamais bloqué une seule personne sur Instagram, hein, mon œuf. Hein. Instagram, TikTok, YouTube. Et jamais je bloquerai, tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà. Bon, là, on est arrivé à la salle, incroyable, tu vois. Attends, je te montre, tu me crois pas qu'on est arrivé? Je sais que tu me crois pas, crafkepro. Basic frites, mon stuff. Bon, on se retrouve directement pour le premier exercice. Allez, salut! Bon, mon œuf, je suis désolé de te le dire, je vais pas pouvoir te montrer toutes les vidéos de ma séance. Pourquoi? Parce que bah, mon micro n'a pas fonctionné. Donc, je suis vraiment dégoûté. Je vais te mettre un petit exemple après. C'est, bah, bref, c'est pas possible d'écouter. Donc, je vais te passer juste les séries, toutes mes séries de la séance à l'échec. Parce que je me suis quand même engagé à filmer toutes mes séances. Donc, je vais quand même te partager ça. Même si forcément, tu n'auras pas d'autres explications. Et voilà. Je te fais plein de petits bisous et je te laisse avec les séries de travail. Allez, salut, mon stuff. Plein de petits bisous. Je t'aime fort. Et il y a l'outro à la fin. Ça a juste marché à la fin et au début aussi. What the fuck, mon stuff? What the fuck? Thank you.
Bon, mon neuf, mon puff, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon neuf, mon chuff, mon puff. Purée, mais ma casquette. Alors, bah, c'est une fin de séance. Franchement, c'était une très bonne séance. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce genre de séance. J'ai vraiment pris du plaisir. Pourquoi, tu vas me dire? Bah, parce que c'est une séance PEC. Telle est la question. Qu'est-ce que c'est, cette question, mon stuff? Tu sais que là, je sors de la salle, il y a un KFC en face de moi. Là, j'ai envie de tout claquer. Mais en fait, dès que je veux KFC, j'en ai pour 30 balles, mon œuf. 30 balles, what the fuck? Mais c'est trop, c'est n'importe quoi. 30 balles pour manger des protéines. En plus, KFC, je pense que c'est le cheat meal le moins grave, on va dire. Parce que vu que tu bouffes que du poulet, dès que je vais là-bas, des tenders et tout, j'ai faim. Dis-toi que je suis à toujours un repas par jour. Mais vu que c'est le plus, il y a que du poulet, et bah automatiquement t'as tes protes. Et ouais, mon œuf, on optimise tout. Et ouais, mon stuff. Parce que je prends pas de burger et tout, tu vois. Parce que moi, quand je fais un cheat meal, j'essaie de penser toujours aux protéines. Après, dans les burgers aussi, tu vois, je prends un petit wrap avec un petit tenders dedans. C'est super bon. Ça fait ma petite entrée. Donc voilà, j'ai vraiment envie de tout défoncer. Là, tu vois, je suis à deux doigts d'y aller. Mais je vais pas le faire, mon œuf, parce que j'ai déjà mangé. Moi, je prépare mes repas pour 3 jours. Oh my god, le coup, t'es trop smart. Parce qu'en fait, tu vois, tu fais tout en grosse quantité. Et après, pendant 3 jours, t'es tranquille. Et t'as pas besoin de refaire tes repas tous les jours et perdre du temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un cheat code. Je te conseille de le faire, de faire tes repas pour 3 jours. Et hop, tu rentres. Et surtout, je fais un repas par jour. Donc, c'est vraiment un game changer. C'est du gagne-temps, gagne-pain, gagne-pain. Le pain, c'est bon, le pain. Moi, j'aime bien la baguette. Tu vois, quand j'étais en Thaïlande, il y a pendant 3 mois, j'ai pas de baguette, mon stuff. Après, j'en mange pas souvent. Mais c'est super bon quand même, la baguette française. C'est un sandwich, genre mon fromage. Ouais, un sandwich, genre. Mon œuf, tu sais que je me fatigue. En fait, je me fatigue juste tout seul en parlant, en disant n'importe quoi. Bon, du coup, il n'y a pas de question, mon œuf. Hein. Vous n'avez pas posé de questions, c'est tant pis pour vous. Je ne répondrai pas comme ça. Posez vos questions, d'ailleurs, pour demain. Demain, séance d'eau. Et je m'entraîne peut-être avec un invité surprise. Je ne vais sûrement pas être tout seul demain, on verra bien. Mais normalement, ce que je dis, c'est vrai. Qui est-ce? Qui est cette personne? On verra demain. Bon, je te fais plein de petits bisous. Prends soin de toi. Passe une bonne fin de journée. Et voilà. Allez, ciao mon keuf.